Devenir l'athlète le plus fort et le plus parfait. Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle série de vidéos. Le contexte, il est simple. Je me suis inscrit au Foot US, tout se passe bien, tout est bien, mais on ne me fait pas jouer à mon poste. Mon poste qui est running back. On ne me fait pas jouer à ce poste-là. Running back, c'est mon poste de prédilection. Et pourquoi? Parce qu'il a des titulaires à ce poste, dans l'équipe. Des gens qui sont là depuis longtemps et qui font ce poste. Des titulaires, mais pas plus forts que moi. Et ça, c'est très important de le préciser. Et comme tu l'as deviné, mon but va être très simple, c'est de faire ma place, tout simplement, parmi les running backs. Le truc, c'est que j'ai un meilleur physique qu'eux. J'ai un meilleur physique qu'eux, je pense être plus rapide qu'eux, mais j'ai pas eu l'occasion de le montrer sur le terrain, à l'entraînement. J'ai pas eu l'occasion de montrer ça. C'est dommage, mais pas dommage à la fois. Parce qu'en me préparant, en faisant les choses bien, je pourrais faire ma place et être titulaire indiscutable. Et ça, c'est le but. Avant de te dire comment on va procéder, c'est simple. Je vais te partager avec toi l'histoire de ma vitesse légendaire, d'où elle vient. J'ai commencé avec le football, j'étais attaquant de pointe. Et peu importe la compo, peu importe la disposition du terrain et du jeu, j'avais aucun mal à aller très vite marquer un but, que ce soit en face ou sur les côtés. Moi, tu vois, j'étais un joueur où je faisais que des passes en profondeur à moi-même et j'allais marquer parce que j'étais plus rapide que tout le monde dès le plus jeune âge. Et ça m'a grandement aidé. Mais le problème, c'est que quand il y avait des corners, moi qui étais en attaque, j'avais aucun problème pour contrer les relances adverses. Et je le faisais souvent, je le faisais souvent. Ça veut dire relance adverse. Hop, ils arrivent pour marquer et moi j'interceptais la balle et je sortais la balle. Mon coach était à la fois content et pas content. Il était content parce que ça nous évitait un but et pas content parce que c'était pas à moi de faire ça. Mais le truc c'est que si je le faisais, c'est parce que je savais que c'est que moi qui pouvais le faire. Du coup, comme j'étais très bon comme ça, j'ai eu des propositions au niveau de mon club de foot. On m'a dit, écoute, là, t'es attaquant dans l'équipe numéro 5, la dernière équipe la plus nulle, tu vois. C'est-à-dire que j'étais attaquant. Mais j'étais pas assez fort pour intégrer les autres équipes et la première équipe. Parce que j'avais un manque de technique, j'avais un manque de lecture de jeu et j'avais pas le même niveau que les autres. Parce que voilà, moi, je jouais pas au foot tous les jours dehors à la cité. Et du coup, ben, mon niveau de foot, il évoluait pas. Je jouais que en club. C'est tout. Je faisais rien d'autre. Parce que voilà, on me laissait pas sortir et c'était très difficile à ce niveau-là. Donc je ne pouvais pas m'entraîner quotidiennement comme les autres. Donc on m'a dit, c'est soit tu restes attaquant dans l'équipe 5, la dernière équipe, ou alors tu deviens défenseur libéraux dans la première équipe, de l'équipe 1. Ça veut dire que en niveau de défense, de la cinquième équipe où j'étais à la première, personne n'était aussi rapide que moi. Et personne ne défendait aussi bien que moi. Donc j'ai dit oui directement. Même si qu'attaquant c'était mon poste de prédilection, mais dans ce poste-là en défense, dans les corners et tout, je pouvais monter pour marquer un but. Et j'en ai déjà mis plusieurs comme ça. Sachant qu'à des défenses, j'ai des relances où tout seul j'essayais d'aller marquer. J'ai marqué quelques buts comme ça, même en étant défenseur, et j'ai kiffé ma vie. Comme quoi, même si que tu penses avoir des postes de prédilection, et ben il y a des postes où si on te change et on te juge mieux et t'es mieux dedans, et ben tu peux performer. Mais au Foot US, c'est différent. Parce qu'au Foot US, il y a une équipe d'attaque et une équipe de défense. Il y a deux équipes en une. Et ça, c'est important. En attaque, mon poste de prédilection, c'est running back. Running back, le quarterback qui te donne la balle. Et selon les stratégies, eh ben, soit tu passes sur les côtés, soit tu passes tout droit pour soit gagner du terrain, des yards, ou alors marquer directement un touchdown. Tu vois? C'est un peu compliqué, mais je pense que tu comprends le thème. De base, mon poste de prédilection, c'est ça. On me donne la balle, je cours pour faire gagner du terrain à mon équipe ou faire gagner des points. Mais là, on veut me mettre dans les linebackers. Alors, il y a les gros en tout premier qui font le mur. Et derrière les gros, il y a les linebackers. Les linebackers ont pour objectif, si je ne me trompe pas, d'arrêter les courses des running backs ou des receveurs ou même directement plaquer le quarterback. C'est un poste que, voilà, c'est un poste où faut aimer plaquer, rentrer dedans. Faut aimer ça, tu vois. Sachant que de base, on voulait mettre devant, dans les gros.
dans les ceux qui font toujours les murs à chaque fois, dans la D-line, on voulait me mettre là à la base, moi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que comme je suis face à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des gens qui font de la musculation, on me prend pour un gros, tu vois? Et ça, c'est dommage, ça qu'on me laisse pas ma chance, ça qu'on me dit, bon, lui, normalement, il peut pas courir, tu vois? Donc, on va le mettre là. Là, j'ai dit non, du coup, on met linebacker. Pour l'instant, ça me va, mais t'inquiète, on va faire ça bien. Donc, comme on ne veut pas me laisser courir, c'est pas grave, on va se préparer, faire les choses bien, avancer. Et le jour où je me sentirai prêt, mettre une main sur l'épaule du coach et lui dire, fais-moi courir. Tu vois, je lui dirais, coach, fais-moi courir. Je veux courir. En général, un bon coach, c'est simple. Il va te laisser courir. S'il voit un de ses joueurs, lui dire, fais-moi courir ou mets-moi là, c'est que, voilà, il y a quelque chose, il y a une émotion, il y a un truc qu'il faut faire. Tu vois? Mais, si tu dis ça, faut vraiment être prêt. Parce que si tu dis, par exemple, moi j'ai coach, fais-moi courir, et là je fais n'importe quoi, là, ça sera linebacker jusqu'à la fin de la saison, tu vois. Là, ça sera terminé. Tu peux toujours rebondir, mais ça va être plus dur de regagner la confiance. Ok? Pour tout tuer, faut être prêt. Et on va se préparer pour ça. Depuis quelque temps, si tu me suis, tu sais que j'ai des problèmes de genoux à réparer. Et ça, c'est dû à une chose simple. J'entraîne pas beaucoup mes jambes à la salle. Et je vais pas te mentir, j'entraînais beaucoup le haut quand j'étais débutant et tout. Les jambes, au début, je les faisais, après, j'arrêtais de les faire. Après, j'ai commencé à prendre beaucoup de haut. J'ai commencé à avoir des douleurs aux genoux. Et à chaque fois que je voulais entraîner mes jambes, je m'arrêtais à la douleur. Et je me disais, c'est pas grave, j'entraîne le haut. Et je me disais, vas-y, de toute façon, les jambes, voilà, c'est pas important. Maintenant, là, c'est important, je vais devoir bosser mes jambes à fond pour réparer mes genoux. Parce que, de toutes les vidéos que j'ai vues, parce que je me suis renseigné sur les genoux, eh ben, hormis tout ce qui est étirement, hormis tout ce qui est mobilité, tout ça, le plus important, c'est de muscler ce qu'il y a autour du genou. C'est-à-dire les quads, les ischios, les fessiers et les mollets. Et on va se préparer. Pour ça, pour revenir au poste qu'on m'a mis, le poste de linebacker, ce qui est bien, c'est qu'à l'entraînement, eh ben, mon but, là où je suis, c'est de stopper les courses des running backs. Donc, de mes futurs adversaires de poste. Donc, ce qui est bien, dans tous les entraînements qu'on fait, j'analyse leur jeu, j'analyse leur déplacement, j'analyse leurs points forts, leurs points faibles, leur vitesse. Et moi, ça me permettra de m'entraîner pour dépasser déjà leur stade, même si que ça va pas être très difficile, je te cache pas, mais ça me permettra de m'entraîner sur ça et d'analyser, de voir eux, ils ont ce niveau-là, donc moi, il faut que j'ai ce niveau-là pour qu'on dise, c'est bon. D'accord, toi, va là et l'autre change de poste. Là, tu vois, je me laisse jusqu'à décembre, tranquillement, pour me préparer, être bien, renforcer mes jambes, mes genoux. Gagner encore plus de vitesse parce que la vitesse que j'avais au foot n'est pas la même que j'ai maintenant, mais je sais que lors de différents exercices, les accélérations que je faisais à 60% étaient déjà très bien et plus rapides que beaucoup de personnes. Donc je me dis, si je suis à 100%, ça va être incroyable. Donc je sais que ma vitesse est encore là et sommeille en moi. Je la laisse dans le coin, on va la travailler tranquillement. Déjà, on répare ses genoux, on renforce ses jambes. Et là, en janvier, ça va bien se passer. Parce qu'en fait, là, on n'a que des matchs amicaux jusqu'en janvier. Et enfin, jusqu'en décembre, je crois, et c'est janvier que la saison commence. Que l'équipe type sera là. Tu vois, donc, j'ai tout ça de temps pour récupérer la condition physique ultime. C'est pour ça que là, à partir de maintenant, la chaîne YouTube prendra une tournure différente. Là, on va plus rigoler comme avant. Bon, on va rigoler un peu, mais pas comme avant. Là, je suis énervé, là. Là, il faut que je montre qui je suis. C'est pas possible. On me prend pour un gros. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais leur montrer qui je suis, sachant que pour beaucoup de personnes, je suis un mec chargé. Comme j'ai dit, ils n'ont pas l'habitude de voir des gens qui s'entraînent à la salle. Pour eux, je suis un mec chargé. Je suis pas natif pour eux.
Bah c'est pas grave, on va leur montrer que nous, en venant de Paris, on a fait les choses bien. Mon objectif n'est pas de devenir un joueur de football américain professionnel, mais c'est d'avoir un niveau professionnel. Ça, c'est deux choses différentes. Jouer au Canada, jouer en Amérique, jouer, ça m'intéresse pas ça. Ce que je veux, c'est être fort à mon poste, très très bon et le meilleur possible. C'est le plus important. Tout le reste ne m'intéresse pas. Donc je mets toutes les choses en place, tous les moyens pour y arriver. En plus, j'en ai pas parlé à mon club, mais je prévois de faire un média sportif, peut-être. Parce que j'ai vu le Instagram du club, c'est les Giants de Saint-Étienne. Je t'invite à aller voir leur Insta et tout. Leur Insta, il est pauvre. Leur Insta, il est pas intéressant. Il est pas, je sais pas. En fait, quand tu vois l'Insta, t'as pas envie de t'inscrire au club de foot US. Tu te dis, vas-y, ça va être nul et tout. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un espèce de média, bah, comme au State, où le coach il parle, interview du coach, interview des joueurs titulaires, interview des joueurs remplaçants qui veulent être titulaires, les performances, les matchs, quand on va en match, quand on revient en match, les scores, ce qui était bien, ce qui était pas bien, mais s'il y a des défaites, filmer. En fait, j'ai envie de faire un truc de fou. Un truc vraiment carré et vraiment professionnel. Mais ça, je veux pas que ça impacte sur l'émotion du coach dans le sens où, vas-y, je vais être running back, mais comme je fais un média sportif, et ben je vais être running back pour ça. Moi, je m'en fous de ça. Je veux un poste et mériter d'avoir ce poste. Ça veut dire que il n'y aura pas d'émotion. Et ça, ben je dirais, ça c'est important. Parce que avoir les choses par intérêt, c'est pas chez moi. Moi, c'est si j'ai un poste, c'est que je le mérite et que personne ne peut le faire aussi bien que moi. Ça, c'est très important. Et en plus de ça, du média sportif que je t'ai dit, bah, ça va me permettre de faire des vidéos YouTube. Des vidéos où, voilà, bah, en fait, il y a des parties des vidéos que je vais faire du contenu pour le club et d'autres parties, et bah, ça fera du contenu pour la chaîne. Ça va être bien, je vais parler, les gens vont parler. Ça va être cool, ça va être immersif. Et on changera dans le thème de comment avoir des pecs, comment avoir des bras, tu vois. Là, on aura un thème différent pour cette nouvelle année. Sinon, aujourd'hui, j'ai fait une séance jambes en semi-immersion. Parce que oui, là, on commence. On fait les choses bien. Premier problème à régler, c'est mes genoux. C'est bien de parler de ce qu'on va faire et tout. Mais premier problème à régler, c'est les genoux. Donc, tout mon entraînement et mon écosystème au niveau du sport, ma vision des choses va changer à partir de maintenant et on va s'entraîner intelligemment. Donc là, comme je t'ai dit, un objectif muscler ses quads, ses ischios, ses mollets et ses fessiers au maximum. Comme ça, il n'y aura plus de problème de genoux. Recourir sur le tapis quand tout ira bien. Travailler en vitesse, travailler en explosivité, parce que ça, c'est important. Et si je perds du poids dans la foulée, et ben là c'est terminé. Sauf que là je suis déjà rapide, je suis très rapide. Mais si je perds du poids, ben là c'est terminé. C'est mort parce que déjà mes genoux ils auront moins de contraintes avec le haut du corps. Et la vitesse, et ben elle va venir encore plus vite. Et là, on sera bien. À la salle maintenant, je commence toujours par des échauffements simples. J'ai vu des vidéos sur les échauffements sur YouTube et tout. Et j'en ai choisi quelques-uns. Du coup, je vais faire ça tout le temps. Pour la mobilité, pour la souplesse de mes genoux et tout. Pour éviter les blessures plus tard quand on sera confronté à des vrais chocs qui peuvent causer des blessures. Donc voilà, je m'échauffe bien. Et je garde cette bonne habitude. Même si que là, je ne cache pas, j'ai mal aux genoux. Donc ça me fait très mal certains mouvements d'échauffement. Mais je continue à le faire. Parce que oui, là, je compte travailler sur la douleur. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, oui, mais quand tu as une douleur, faut laisser reposer. C'est ce que j'ai fait pendant 10 ans de muscu. J'ai fait ça pendant 10 ans. À chaque fois que je voulais faire les jambes, j'avais mal, donc j'ai arrêté. Donc je faisais les jambes, j'avais mal, j'ai arrêté. Là, c'est terminé. Si j'ai mal, je fais un exo qui sollicite moins mes genoux. Où je fais un exo beaucoup plus bas en termes de poids, mais je vais bosser quoi qu'il arrive pour muscler ce qu'il y a autour de mes genoux. Après, j'ai fait un petit échauffement de soulevé de terre, jambes tendues.
J'ai pris une barre Z parce que voilà, il n'y avait pas de barre droite. Et là où j'étais, enfin dans l'espace où j'étais à la salle, les haltères étaient loin. Donc voilà, j'ai pris une barre Z de poids de 20 kilos. Et j'ai fait 4 fois entre 8 et 12 répétitions tranquillement, histoire d'être bien et de passer à l'exercice numéro 1. On va passer sur un enchaînement assez difficile. Ah, on va pousser un traîneau et après faire du soulevé de terre jambes tendues. Ça va être dur. J'ai fait une série. Je suis déjà KO. Sachant qu'il y a 60 kilos sur le traîneau et la piste elle est super longue. Vraiment. Et ça fait mal. Allez. Généralement, l'aller ça va. Le plus dur, c'est le retour. Allez. C'est parti. Franchement, sur une longue distance, 60 kilos, tu les sens. Tu les sens. Allez. Ok. Soulevé de terre, jambes tendues. On va envoyer 10 reps. J'ai baissé la charge. Et à 30 kilos, ça va. Une. Deux. Allez. 4. 5. 6. 7. Allez. 8. 9. Dernière. Et 10. Franchement, ça tape sur l'endurance musculaire, mais surtout sur l'endurance cardiovasculaire. Niveau du temps de repos, comme c'est la première fois que j'entre dans ce module, je repars vraiment quand je sens que je peux repartir. Et au fur et à mesure du temps, on va mettre du temps. On va mettre 2 minutes, après 1 minute, après. Ce sera moins d'une minute. Ça va aller 40 secondes, 30 secondes. Il y aura moins de poids sur le traîneau, je pense. Mais on va baisser le temps de repos pour être infatigable. Parce que c'est important. Cet exercice-là, le problème, c'est qu'il est fatigant. Il est chiant. Et là, dans la vidéo, je vois que enfin, on ne le remarque pas. Mais la piste, elle est longue pour de vrai. Elle est vraiment longue. Donc, tous les traîneaux que j'ai fait, ça allait. Tu faisais des allers-retours tranquilles. Mais là, c'est long. C'est vraiment long, donc ça fait mal. Tu fais ton aller, tu fais ton retour. T'es fatigué, il y avait juste 60 kilos. Juste ça. Je sais qu'on mettra beaucoup plus par la suite, mais il y avait juste ça. Donc, tranquille, on va continuer. On va se faire mal et ça va très bien se passer. C'est un petit enchaînement de programme que je vais refaire. Traîneau plus soulevé de terre, jambes tendues. Au début, il y avait enfin, au début, il y a un nombre de séries, nombre de reps. Mais pour le dernier exercice sur les terres jambes tendues, on va le faire à l'échec. C'est-à-dire qu'on va faire notre traîneau tranquillement. Et après, sur les terres jambes tendues, à l'échec. Charge légère, mais à l'échec. Histoire d'être bien et de se faire bien mal. La gaisse tension, on va faire ça bien. On va pas mettre lourd. Histoire de bien renforcer les genoux. On va travailler en 10, 10, 20. Ok? Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est de garder un bon contrôle, c'est important. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Pour la dernière, je peux monter un peu. On y va, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah. Le fait d'avoir un bon contrôle, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Là, je sens que j'ai mal au genou. Hein. J'ai mal au genou gauche. Mais je vais travailler sur la douleur. Et voir ce que ça fait au bout d'une semaine. Mais je continue à bosser dessus. Parce qu'à chaque fois, je me repose, j'ai mal, je me repose, j'ai mal. Là, je vais me forcer à renforcer mes jambes. Normalement, ça va le faire. Bon, là, je vais mettre un peu plus lourd. Et on va bosser un peu pour faire du muscle en 10 reps, tranquillement. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça me fait un peu plus mal puisque je bosse en lourd. Mais c'est pas grave, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le problème, c'est que le leg extension me fait mal. Il me fait super mal au genou. Je continue à le faire. Je mets des charges légères, même un peu plus lourdes. Ça me fait mal. Mais c'est pas grave. On bosse sur la douleur, quoi qu'il arrive. C'est ce que je faisais avant. Pour mes épaules, pour mes coudes, pour mes biceps, pour mes pecs, pour le dos, c'est ce que je faisais. Là, maintenant, bah, j'ai plus mal. Et c'est comme ça que parfois, j'ai des petites douleurs aux épaules, mais je me dis, les 50, je sais que je peux les faire. Tu vois, donc je les fais en développé couché haltère. Parce que la douleur, c'est un truc que mon corps connaît et qui dit que, voilà, à cette douleur-là, tu peux encore travailler. Ça, c'est parce que j'ai travaillé beaucoup sur la douleur, sur les petites douleurs et les grosses douleurs. C'est pour ça que je vais habituer mon corps avec le genou, qui fait que j'ai mal au genou, mais je peux courir. Je peux aller à fond quand même, ou je peux aller à 30%. Là, je sais pas, donc je m'arrête. Tu vois, donc maintenant, il n'y a plus d'arrêt. On va se faire mal, quoi qu'il arrive. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Là, mes pieds glissent. C'est incroyable comment je glisse. Allez. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok, on est bien. J'ai remarqué un truc sur cette machine-là. En fait, devant, pour la jambe qui pousse pas, bah, t'as une mousse. Et du coup, il faut rester appuyé sur cette mousse-là avec le tibia. Comme ça, ça te fait plus de force pour pousser. J'avais que appuyé sur le sol. Maintenant, j'ai appuyé sur la mousse qui est juste en bas de la machine. Donc ça, note à savoir. Au moins, je sais comment bien travailler dessus. Franchement, cette machine, elle est bien. Elle travaille bien les ischios et les fessiers. Mais par contre, il y a des manières de bien bosser dessus. Parce que je vois, les gens, ils chargent dessus, hein, ils chargent de fou. Moi, déjà, avec des poids légers, j'ai mal. Mais je m'entraîne intelligemment avec ça. Parce que si c'est juste
Pousser pour pousser, tu vas mettre lourd. Mais pousser et ressentir son ischio, son fessier, là, c'est différent. C'est pour ça qu'avec ça, on va faire beaucoup de rest-pause de 1 ou 2 secondes. Ou alors, on va faire des mouvements très contrôlés, histoire de bosser et pas juste pousser parce que c'est lourd et faire des perfs dessus. Une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix, une, 2, 11, 1, 2, 12, ok. Très bien. La machine à fessiers, très très bonne machine. C'est un truc que je faisais pas parce qu'en fait, moi, je prends des fessiers très rapidement, vraiment très rapidement. Donc, moi, je voulais pas travailler les fesses davantage, mais c'est important que ce soit pour courir vite, mais aussi pour soulager mes genoux. Et ben, je dois bosser ça, donc je vais bosser ça. On va avoir un fessier de fou, des ischios de fou et des quadrés de fou. Ah ouais, là, on va être un athlète, on va être un cyborg. Malheureusement, c'est comme ça. Et juste après ça, j'ai fait un exo-épaule et un exo-pec pour valider ma séance. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer maintenant. On va faire les choses bien, on va analyser les choses et bosser le plus intelligemment possible. Le haut du corps, je vais pas l'abandonner. Mais je vais beaucoup plus privilégier l'entraînement du bas du corps que le haut du corps. Pour l'instant, en termes de complément, ça ne change pas. On est toujours sur une équipe gagnante. On est sur ça. Le The Joint, c'est un très très bon complément pour tout ce qui est articulation et tout. Donc ça, j'en prends deux le matin. Ensuite, ça, c'est le complément pour les cheveux, la peau en gumi. Bon, là, on est plus dans la beauté. L'ashwagandha, très bon complément. Ashwagandha pour augmenter ses performances, sa testo naturellement. Ça, c'est bien, j'en aurais besoin de fou. Les deux gels, le Energy Gel et hop, le pré-workout en gel. Je ne sais pas si tu vois bien. Je pense que comme ça, on va bien voir. Le pré-workout en gel. Par contre, au niveau du pré-workout en gel, il y a une de mes séances où j'ai pris le pré-thermo à la place de ça. J'avais un échantillon de pré-thermo. Je l'ai pris parce qu'en fait, celui-là, il est bon. Il est très, très bon. Mais il n'est pas aussi fort que le pré-thermo. Parce que le pré-workout en gel qu'ils ont, eh ben, c'est les premiers. C'est the pré-workout, tu vois. Il est bien, mais ce n'est pas le pré-thermo. Le pré-thermo, c'est le meilleur pré-workout de chez MyProtein. On va prendre aussi de la créatine. Tous les soirs, celle-ci, on va la prendre en tablette, comme ça on est bien. J'en prends 3 tous les soirs. Il me semble c'est combien de grammes de créatine, je sais plus combien de grammes, mais j'en prends 3, comme ça je suis bien. Ensuite, on a pris des snacks. Les snacks, c'est super cool. Alors, j'ai pris ça. Je sais pas si tu vois. Je suis désolé que la lumière, comme elle est juste au-dessus de ma tête, quand j'avance. Hop, voilà, ben là on voit bien. Ça, c'est des gaufrettes protéinées. Alors, il y en a une choco-noisette et une autre à côté à la vanille. Il y en a 10, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a 10 dedans. Et ça, il y en a deux dedans, il y a deux carrés. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, quand je veux faire du sport, quand je vais aller à l'entraînement, quand je vais faire un truc, parfois j'ai des petits creux. J'ai des petits creux, j'ai envie de manger un truc, donc parfois je prends n'importe quoi, je prends un gâteau, je prends du jus et tout, mais ça c'est pas bon. Là, t'as un snack protéiné, t'es bien, il n'y a pas de sucre, t'es tranquille avec ça. Ok, donc je le prends, je le mets dans mon sac, il y a un petit creux, je le mange, je suis bien, ça remplit. Et surtout c'est bon. Moi je suis très très dur avec les snacks. C'est-à-dire que tout ce qui est cookies protéinés, brownies protéinés, ça je prends pas parce que je sais déjà. Il y a certaines barres, je prends pas. Et vu que certains trucs je prends pas, eh ben, aie confiance en ce que je prends. Moi, je suis très très dur et je prends ce qui est bon. Donc ça, c'est super bon. Enfin, le choco-noisette, il est super bon. Vanille, normalement, si le choco-noisette, il est bon comme ça, vanille, ça doit être bon.
J'ai pris un autre truc. C'est ça. Bon, je te montre là. C'est ça. C'est comme des Kit Kats. C'est la même chose que les Kit Kats protéinés. Donc, très très bon. J'en ai déjà pris 3, je crois. 3 ou 4. Je sais pas il y a combien de barres dedans, mais il y en a plein en tout cas. Ça fait du bien, ça fait le taf. En fait, moi, ce qui m'énerve dans tout ce qui est barres protéinées, trucs protéinés, gâteaux, c'est que c'est lourd. Avant, les premières barres protéinées, tu mangeais dedans, t'as l'impression qu'il y avait la whey en poudre qui tombait de la barre, tu vois, parce que c'était trop bourratif. Là, maintenant, c'est plus onctueux, c'est beaucoup plus subtil. Comme là, le Kit Kat et la gaufrette, c'est super bon. C'est super bon, c'est pas dur, c'est pas bizarre, c'est pas du parpaing, c'est pas du ciment. C'est super bon, ça a un bon goût. Donc, ces deux trucs-là, ils me sauvent. Et j'ai pris un pot de Clairway aussi. Enfin, j'ai un Clairway pêche. Juste là, la meilleure Clairway. Que ça, parfois, je la prends soit dans mon shaker à l'entraînement ou après l'entraînement. Tout dépend. Dans tous les cas, la Clairway, je peux la prendre à n'importe quel moment. Ok. Pour tous les compléments que je t'ai montré, il y a le code DAZN, bien évidemment, sur MyProtein. C'est le sponsor. Ça m'accompagne et ça m'aide dans mes objectifs. Et encore un grand merci à ceux qui commandent avec le code DAZN et qui passent par le lien parce que c'est important. En tout cas, si tu es resté jusqu'à là, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un like, un commentaire, c'est important. Là, c'est un concept où on va vraiment se donner à fond. On va faire les choses bien. La chaîne va changer. Il y aura une nouvelle aventure qui va se faire. Et on va pas lâcher. On va pas lâcher. Faire les choses bien. Et je te montrerai que n'importe qui se donne à fond, qui a un objectif, pourra aller loin et se faire respecter. Parce que c'est important. En tout cas, moi je vais te dire, porte-toi bien, reste connecté et à la prochaine pour la suite.